trop chouette, hein. Léon, ça va? T'as peur? Préparé un petit truc là avec l'équipe. On s'est dit, ça te plaît, Bertrand? Ah, écoute, il y a moyen quand même de te faire. Voilà, voilà. Non, c'est vrai que il n'est pas à l'apéro, il doit avoir de l'apéro dans sa bouteille là-bas. C'est ça, non, c'est vrai qu'on n'est pas. On a envie d'en prendre un petit là-haut. Ah, mais on avait envie de faire ça avant que ça chauffe. C'est quoi l'intérêt de refaire tout ensemble? Ouais, nickel. Voilà, tout en maîtrise. Tu nous attends un peu plus bas sur le replat. Ça, c'est la classe, Reza. C'est la classe. On n'a pas peur, on maîtrise. Tout bien. Bah ouais, tranquille, tu vas avec eux. Voilà, tu attends là-bas. Ouais. Voilà, tranquille, hein. On va pas le feu au lac. Va pas trop vite, va tranquille. Ouais, vas-y, coule, vas-y, coule, vas-y, coule. Ça va? C'est beau comme paysage. Vas-y tranquille, hein, ski hors piste, tu gardes une marge de sécu, tranquille. Tac. Pas là pour te mettre ta course. Vas-y, tu peux y aller. Ok. Voilà, tout en maîtrise. Eh ben, si c'est ça qui t'a appris, Jean-Paul. Rigole, mon Jean-Paul, bisous. Ah, tranquille, hein. N'hésite pas à écarter un peu tes pieds. Va. N'hésite pas à écarter un peu. Tu seras pas plus mal. N'hésite pas à écarter un peu les pieds. Va.
Regarde loin devant, regarde devant. Regarde loin devant. Tranquille, hein, bien souple. Nickel, merci. Hein. C'est beau, Colu. Couleur, c'est l'entrée, le... Ok. Alors, en tout cas, vous avez les antipastilles, les viandes. C'est ça? Non. Ça, c'est les pâtes. Le primo piatto. Les pâtes, les soupes. Les pâtes, les soupes, les viandes et les desserts. Et du fromage. Et du fromage. Le fromage, c'est en verre. Qu'est-ce que tu dis, Vincent? T'aurais préféré une jolie italienne? Eh ben, il n'y en a pas, c'est moi. Mais non, mais moi, ça me va bien. Une jolie Val d'Hôtel. Du coup, ça peut être un dans le cul. C'est comme ça. Alors, les amis, vous avez de l'affettiani misti. Ouais, c'est quoi? C'est des antipastilles. Oui, c'est ça, c'est des salamis. Et on prend quoi alors? Ça, c'est du jambon cru. Ouais. Ça, c'est de la langue de bœuf. Jambon cru, langue de bœuf. Si, c'est des petits fromages. Ouais. C'est piquant. Il avait appelé, quatre vignobles de la vallée d'Aoste, Chamblave supérieur. Alors donc je vais me permettre de le goûter, donc je finis l'eau. L'eau. Oui, tu sais pas. Voilà, alors je vais vous regarder le. Il est. Très tannique, hein. Très tannique, et, la châtaigne ressort. Châtaigne et banane. Hein. Ça a l'air bon. Ah, il a l'air bon. C'est un grand cru. Hein. Ah, je te jure. Ah, mais il est bon. Quand la châtaigne ressort tout de suite. Vous l'avez retrouvé trois hivers après.
ça doit être suffisamment long pour couvrir l'essentiel, mais suffisamment court pour susciter l'intérêt. Merci. Merci, tu m'as fait excellent. Excellent. Tu étais en réflexion. Ouais, là, c'est vous savez, métaphore. Elle est bonne, celle-là. Le droit d'une cuisse de cerf, ou alors un ragoût de sanglier, vous choisissez ce que vous voulez. Vous me dites. Mathilde, elle me tenait le bras comme ça, elle pleurait de rire, elle me tenait le bras. Elle me disait, pas recommencer. Coup normand ou ragoût de sanglier? Ah, fait chier avec le masque. Tu n'avais pas annoncé le truc. Tu as dit après toi. Tu n'avais pas connu ce qu'il jouait dans le restaurant à graines et un tout le temps. Non. Mais si on peut pas avoir un signe farci, j'essaye d'aller. Moi je connais pas les jeux de cartes. Aïe. Moi je peux faire jouer. Ça mon Vincenzo. À la fait que pour bouger avec des chaussures de ski, ça va être compliqué hein mon ami. Sorry. Excusez-moi.